se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dernière vidéo de cartonnage, voilà, pour la commode. Aujourd'hui, on va terminer la commode. Ça, comme j'ai dit dans une précédente vidéo qui n'avait rien à voir avec le cartonnage, j'ai enfin reçu le tissu pour terminer le couvercle. Le retard n'était pas dû à la vendeuse. La vendeuse, je vous rappelle, c'est Sylvie de la boutique Pic et Patch. D'ailleurs, je vous remettrai en barre d'infos les coordonnées de sa boutique qui est sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir, elle a de superbes tissus pour le patchwork ou pour comme le cartonnage ou pour faire des sacs, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Voilà. J'ai reçu donc le tissu. Hein, c'est le tissu de la commode. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va terminer le couvercle et mettre le liège en dessous de la commode. Et après, il me restera à faire les dessous de tiroir. Mais ça, c'est pas grand chose, ça va aller très vite. Je verrai si je l'ai fait en tissu ou si je l'ai fait en fin carton. Ça, je vais voir comment je vais faire. Par rapport au tissu qui va me rester, je verrai. Voilà. Bon. Sinon. Pas grand chose. Voilà. Je remonte la commode à ceux qui ne l'auraient pas vue. Alors, elle commence à être lourde. Hein. Voilà. Donc, avec ces 5 grands tiroirs ici et ces 3 petits tiroirs là. Voilà. Hop, je la pose parce qu'elle est vraiment lourde. Donc là, j'avais fait le couvercle en molletonné. Alors, attendez, je vais vous baisser un peu. Ça sur ma grosse main. Voilà. Désolée, vous voyez mes grosses paluches. On va tourner un petit peu. Donc là en haut, c'est le couvercle. Bon, c'est pas fini. Donc ici, il y a un premier tiroir avec 2 compartiments. Ici, c'est un tiroir simple. Ici, il y a un petit bout de tissu qui se promène. C'est un tiroir avec plusieurs compartiments, 3 dans le fond, un grand devant et un petit devant. Ici, c'est un simple, voilà. Il y a des petits bouts de tissu qui se promènent, mais ça, c'est rien. Après, je vais le nettoyer. Et là, c'est un tiroir avec plein de petits compartiments, voilà. Et les tiroirs sur le côté sont tous pareils, voilà. Voilà. Et donc, il me reste donc... Alors, je vais vous montrer, voilà. Et donc, il me reste ici le couvercle. Alors, je vais vous la basculer. J'ai les tiroirs qui se barrent. Voilà. Et là, il me reste donc l'intérieur et... l'envers du couvercle à faire. Donc, il n'y a vraiment plus grand-chose à faire. Ça va aller très vite. Enfin, très vite. Il faut le temps de le faire quand même. Hein. Hop, je vous remets bien pour moi mieux vous voir. Hop. Oui, je vous vois, moi, à travers mon téléphone. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je fais ça ce matin parce qu'il fait une chaleur. Là aujourd'hui on est quoi, le 23 juin, donc je ne sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, ce sera pas le 20, je pense que là vous êtes en train de regarder la vidéo, il doit être peut-être le 25 juin, je ne sais pas, mais alors il fait une chaleur, donc j'ai préféré le faire ce matin, parce que cet après-midi je crois que je n'arriverai pas à rentrer dans mon atelier. Donc allez, je vais attaquer tout ça. Je prépare mon petit matos et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai préparé tout mon petit matériel pour finir ce couvercle. D'abord, un ruban.
Voilà, comme ceci, qui va me servir à mettre à l'intérieur du couvercle pour faire comme une charnière, si on veut. Je vous montre. Voilà. Donc, qui va se mettre un peu ici. Hop. Donc, on va prendre une grande longueur. Hein. Et ici, voilà, voyez, pour empêcher le couvercle d'aller trop loin en arrière, voilà. Donc je vais le mettre que d'un côté, ça suffira. Et quand il se referme, bah le ruban rentre à l'intérieur, voilà. Donc on va commencer par ça. Ensuite, bon, le tissu, ça vous l'avez vu. Du fil comme ceci. Alors j'ai choisi de mettre le grand cœur, voilà. Donc je vais le faire tenir. Alors je vais le faire tenir avec de la ficelle comme ceci. La ficelle va aller à l'intérieur du couvercle, elle va être retenue par les gainages. Hein. Donc, je voulais le faire avec le couvercle, mais non. Ça va être plus embêtant qu'autre chose. Donc, je vais le faire tenir sur la façade. Voilà, ici. Donc, quand il sera ouvert, ben, le cœur restera. Bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il ne sera pas au milieu des poignets. Parce que bon, si je mets le petit, ça me paraît trop petit, vous voyez ? Le petit va vraiment être... Ou alors, je pouvais le faire avec les... Hop, et puis il se soulève avec le couvercle. Je ne suis pas encore vraiment décidée. Ouais. Ce serait peut-être mieux, en fin de compte, qu'il se soulève avec le couvercle. Donc, voilà. Donc, mais ça, il sera tenu avec de la ficelle comme ceci. Donc ça, c'est la ficelle que j'avais eue chez Cultura. Voilà. À chaque fois, je vous le dis, hein, je ne retiens toujours pas le nom hein, de la ficelle comme ça. De toute façon, là, c'est pas marqué. C'est marqué ficelle bicolore. Et mes cartons de gainage qui sont déjà coupés. Donc, un pour le dessous du couvercle. Un pour le fond du couvercle. Et... les gainages de côté, donc il y en a quatre, hein, bien sûr, puisqu'il y a quatre côtés au couvercle. Et donc l'intérieur du couvercle sera entièrement noir. Voilà. Parce que de toute façon, je n'aurai pas assez de bleu. Et puis, je ne vais pas encore m'amuser à recommander du bleu. C'est bon. Voilà. Donc là, il sera entièrement noir. Voilà. Et après, bon, on verra s'il y a des petites choses en plus, mais je pense pas, non. Je pense que je ne ferai rien d'autre sur la commode. Elle est déjà très bien comme ça. Donc, pour l'instant, on va s'occuper d'installer ce ruban. Alors, là, je ne vais pas vous baisser la caméra. Je vais essayer de vous la mettre. Alors, je vais essayer de vous mettre comme ça. Moi, je vais devoir me mettre debout. Et est-ce que j'ai assez d'eau encore dans mes pinceaux? Je vais en remettre un peu. Voilà. Alors là, je vais utiliser mon tube de colle, je pense. Celle-ci. La scotch glue, hein. Ça tiendra beaucoup mieux. Ça, je vais prendre un bout. Il est là. Hop, ici. Je vais prendre un bout de mon craft gommé. Pour solidifier. La
la tenue du ruban. De toute façon, après, il va bien tenir puisqu'il y aura le gainage hein, encore au-dessus. Mais je préfère... je préfère que ce soit bien tenu deux fois, trois fois s'il faut, mais au moins que ça ne bouge pas. Alors, là, il faut que je mesure. Voilà, le couvercle bien comme ça. J'espère que vous voyez bien là, mais bon, je ne peux pas faire mieux. Donc, je vais d'abord marquer en bas. Ça colle bien. Je m'en mets déjà plein les doigts. Donc là, je continue à coller. Je colle en bas, pareil. Thank you.
Et de toute façon, même le couvercle tient tout seul hein, par lui-même, mais bon. Donc là, je vais couper ce qui est en trop. De la longueur pour que ça tienne bien. Et je coupe ce qu'il y a en trop. Les petits bouts, je les garde, hein. Ça peut me servir pour autre chose. Voilà. Bon, on va la remettre sur le côté, le temps que ça sèche. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de gainer le dessus de la commode. Après, avant de mettre le dessus de la commode, on s'occupera du petit cœur. Ça c'est le fond, ça c'est le dessus. Donc, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée dans les mesures, hein. Ce serait ballot. Non, c'est bon. Alors j'ai déjà une chute là, je vais regarder si ma chute est bonne. Je ne crois pas, ça servira pour les petits gainages. Vous voyez, c'est des coupons de sur 1m10, je vous remets devant moi. Voilà, elle fait des coupons voilà, d'1m10. Donc ça, c'est vendu sur 50 cm. Mais 50 cm, vous avez tout ça. Donc c'est pas mal. Hein. Alors, on va regarder dans ce sens-là, si ça va. Toujours dans l'esprit d'user le moins possible de tissu. C'est bon. Donc, je vais gommer ce que j'ai écrit. Bon, malgré que ça se verra pas, mais bon. Ah, ma colle. Allez, je vous baisse, sinon vous verrez rien. Et ma grosse paluche encore devant. Je sais pas là. Bon, je suis pas très écologique. Hein. J'utilise beaucoup de ce sopalin pour faire ça. Mais bon, la colle, je ne peux pas trop utiliser sur les chiffons. Allez, on patouille. Je suis contente d'être arrivée enfin à la fin. Quand je fais des gros trucs comme ça, bon,
Enfin, c'est aussi que j'ai pas pu y mettre tout le temps. Il va falloir que je colle ça sur la commode. Donc je vais la prendre, je vais la basculer. Mais pour la basculer, je voudrais mettre quelque chose pour protéger. Bon, c'est pas assez. Ce serait ballot que je salisse la commode. Hein. Alors, on va basculer la commode, voilà. Donc on va regarder sa mise en place avant de mettre la colle. Alors noir sur noir, c'est des bons yeux, hein. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je peux tartiner de colle. Et j'avais dit avant, heureusement que j'y pense, mon petit cœur. Mon petit cœur. Il faut que je prenne le milieu. Heureusement, j'y ai pensé. Hein. Alors, 39,5. 38, ça fait 15 et 4, 19. 19,5. Et la moitié, ça fait 19,75. C'est ici. Voilà. J'espère que je me plante pas en mettant là, hein, parce que sinon...
qui est en trop. Et on va lui mettre un petit bout de, hop, de ça pour bien tenir. Là, j'aurais été embêtée de devoir le mettre après. Ben, tant pis, hein, je l'aurais mis sur la façade. Voilà, mon petit cœur est mis. Ouf! Bon, je peux continuer à mettre ma colle. Bah, du coup, je vais bien en mettre là, parce que ça a dû sécher un peu. Et vous ne m'aviez pas dit, hein, que j'avais oublié de mettre le cœur. Bande de vilains! J'aurais collé mon dessous, le couvercle, sans mettre mon cœur. Ah là là! Faut pas compter sur vous, hein! Faut crier à travers l'écran. Edith, tu as oublié de mettre ton cœur! Un petit peu ici au milieu. Et on va coller notre plaque. Bien droite, hein, surtout. Alors là, on va mettre les pinces, hein. Il n'y a pas le choix. Déjà, surtout sur les angles, en priorité. Je vais déjà la redresser. De vous montrer en vous soulevant. Alors ça fait un peu contre-jour, je suis désolée, mais voilà. Donc maintenant on va s'occuper du fond. À peu près la même taille, un tout petit peu plus grand, il y a 5 mm de différence, donc ça va. Hop là, voilà toi. Et on va tartiner. Thank you.
Donc là, la colle, je vais la mettre ici à l'intérieur. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, là, je suis désolée. Mais bon. Et là, alors, je vais l'enfiler comme ça pour faire attention que ça, ça soit lié. Ça, ça va en l'air, hein. Pas que ça aille en dessous. Alors, je vais enlever cette pince-là qui va me gêner quelques instants. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Pinceau, en faisant attention de ne pas mettre de colle sur le tissu au fond. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, vous avez vu? Et donc les rebords sont là, ils sont montés là, là, ici et ici. Ils ont remonté, elles ne sont surtout pas en dessous, elles sont remontées. Voilà, donc le fond est bien mis, un petit coup de sopalin là. De côté, je vais vérifier les mesures. Je retourne un peu que j'ai bien mesuré. Après avec le tissu, ça va me refaire une toute petite épaisseur en plus. Donc on va recouper ça un tout petit peu. Voilà, quand vous faites du cartonnage, avant de coller le tissu, avant de coller quoi que ce soit, faut toujours bien remesurer, réessayer avant. On va juste enlever quelques millimètres. J'ai oublié de vous baisser. Non, désolé. Vous étiez hors champ. Oh, ben, toutes mes excuses. J'ai même pas fait attention. Excusez-moi, excusez-moi. Du coup, je pense qu'au montage, j'ai dû couper cette partie. Je ne sais pas. On verra.
Et donc il y avait une partie complètement hors champ. J'en suis désolée. On verra si au montage j'ai coupé ou pas. Je vais remettre de la colle. J'ai chaud. Mon Dieu, j'en peux plus. Comme d'habitude, hop, je montre la colle que j'utilise, la vinylique Cléopâtre blanche. Donc, si j'ai coupé la partie juste avant au montage, voilà ce que j'étais en train de faire. Je coller les parties. Alors, je suis vraiment désolée. Je sais pas ce que. Bon, je verrai. Voilà, de toute façon, je suis en train de voir pour une vraie caméra parce que avec le téléphone, j'en ai marre. C'est galère. J'ai vu des petites caméras là, très capables, de très bons prix, pas cher, qui donnent de très bons résultats. Donc je vais voir, je suis en train de voir ça. Donc ça, hop, j'ai enlevé la pince. Je vous rebascule. Vous voyez, c'est ça qui est chiant, c'est parce qu'à chaque fois je dois vous bouger. Hop, je mets à l'intérieur. Donc là, j'ai mis les deux grands côtés déjà. Après, je vous montrerai avec le téléphone. Voilà, on va faire les deux petits côtés maintenant. Donc là, on va rabattre les petits côtés par contre. Je vais tout de suite la deuxième. Voilà. Alors, on lui met bien de la colle. On va le coller. Donc là, je le colle sur le côté. Je vais vous le montrer après en caméra. Directement. Donc là, c'est pas du hors champ, c'est parce que je vais vous le montrer directement. Et celui-là, je vais prendre le téléphone à la main et je vais vous le montrer. Voilà, donc le couvercle sera fini. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà.
je vais prendre le téléphone à la main pour vous montrer. Je vous rebascule. J'enlève la prise. Désolée, je vous balade. Toutou. Alors, attendez, je vais éteindre. Alors, voilà, on va se mettre au jour. Voilà. Donc, l'intérieur de la commode est terminé. Vous voyez, j'ai mis les petits côtés. Là aussi. Bon, là, il y a un petit trou de plomb, mais c'est rien. Voilà, c'est parti. Donc, il y a un côté là, bien sûr. Ici. Alors, je vais essayer de vous montrer à la lumière si ça veut. Vous voyez, le ruban est coincé dans le... Donc là, je vais mettre une pince hein, pour que ça colle bien. Le ruban est bien collé. Je voudrais bien que ça se mette à la lumière. Le ruban est bien derrière le gainage. Hein. Vous voyez ? Comme ici en haut. Voilà, il est derrière le gainage. Voilà. Et donc on a notre petit cœur ici. J'ai fini le couvercle. Youpi, youpi. Allez, je vous remets en place. Voilà, en vous remettant en place, j'ai eu peur. Je viens d'avoir un des pieds de mon pied de téléphone dans la main. Je croyais qu'il était cassé. Je crois non, pas ça, surtout. Ah oui, j'ai pas remis la pince pour le ruban, voilà. Donc là maintenant je vais laisser tout ça sécher. Là je vais me faire une toute petite pause, hein. J'ai soif. Et ensuite, donc je vais faire, comme normalement il me reste assez de tissu du coup, je pense. Je vais calculer ça, alors il me reste ça. Donc normalement ça doit être bon. Je vais calculer. Attendez, je vais regarder. Il me faut. Normalement du 26,5 sur. Du 17,5. Attends. On va essayer avec un tiroir dessus. Il m'en faut 5. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, normalement c'est bon. Bon, le cinquième sera coupé en deux, mais ça c'est pas un problème. De toute façon, c'est en dessous. Ouais, donc c'est bon, je pourrais faire mes fonds de tiroir avec ça. Ah, j'ai de la colle dessus. Voilà, c'est parti. Surtout sur du noir. Donc il me reste à mettre mes fonds là en dessous. Après, gratter mes petites points de colle qui sont... Et mettre mon liège en dessous. Et on a terminé. Youpi. Donc aujourd'hui, c'est fini. Donc je fais ma petite pause et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai terminé ma pause. Mais ma pause a duré plus longtemps que prévu. On est le lendemain. Voilà. j'ai eu du coup des choses à faire entre deux. Et puis bah, du coup, je ne suis pas remontée dans mon atelier. Donc là, bah, on est mercredi. Donc je vais terminer aujourd'hui la commode. Ah, il fait toujours aussi chaud. Ouh. Du coup, ce matin, en même temps, on a dû passer à Action. Pour aller chercher des sachets crottes des sachets crottes pour les toutous et j'ai trouvé en même temps et puis en même temps du coup aujourd'hui j'ai vu que la tablette lumineuse
était en promo. Et comme celle de mon chouchou, mon mari, était tombée en panne, moi la sienne je l'avais achetée sur, sur AliExpress. Et du coup, je lui avais donné la mienne que j'avais eue à Action il y a déjà un petit moment. Et du coup, moi, j'avais plus de tablette. Et ce matin, j'ai vu qu'elle était en promo. Elle était en promo à 9,95€ au lieu de 14,95€. 5€ de moins, c'est toujours bon à prendre. Du coup, ben, je me suis pris une tablette. J'ai trouvé des pinces. Alors, je ne les ai pas encore ouvertes. Voilà. Mais comme ça, voilà le papier. Donc il y en a 10. Là, j'ai pris qu'un seul paquet d'abord pour voir comment elles vont parce qu'elles sont pas chères du tout. De toute façon, c'est du Action, hein, c'est jamais cher. Là, il y a 10 pinces pour 99 centimes. Alors, si elles vont bien, je vais en reprendre hein, pour le cartonnage. Je m'en reprendrai peut-être 2-3 paquets du coup. Comme ça, je serai tranquille. Et on verra. Déjà, au niveau force, elles m'ont l'air pas mal du tout. Voilà. Hop. Oui, niveau force, elles vont. Et niveau tenue, alors je ne vais pas faire ça sur la commode. Je vais prendre un petit bout de carton. Voilà. Alors, hop. Je vais regarder si ça fait des marques ou pas. Non. Ça ne fait pas de marques. Donc, c'est super. Parce qu'il y a un caoutchouc au bout. Oui, attendez, je vous cherche. Il y a un caoutchouc au bout. Donc, non, elles sont bien. Elles sont bien, bien, bien. Donc, je pense que je vais en reprendre 2-3 paquets avant qu'il n'y en ait plus. Alors, ça, ces pinces-là, si vous en cherchez, de toute façon, c'est pas seulement pour le cartonnage, hein, ça peut servir pour d'autres choses. Là, elles sont au rayon bricolage. Voilà. Donc, je vous dis, pour 10,99 centimes. Donc, c'est top. Hein. Donc, je suis contente. Voilà. J'en reprendrai. Voilà. Je m'en reprendrai 2-3 paquets. Comme ça, j'aurai ce qu'il me faut au niveau pince pour mes cartonnages. Parce que vous voyez, ceux-là, là, c'est. Je peux le mettre sur mon doigt, hein. Ça ne me pince pas grand chose. Donc, j'ai toujours cela. Bon, cela, elles ont toujours plus de force, hein, mais c'est normal, là, c'est de la marque. Je ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable non plus. Là, c'est des Dexter. Hein. Bon, c'est pas la même chose. Mais celle-là, au moins, bon, pour aller plus loin dans le carton, par exemple ici, vous voyez, bon, celle-là, elles vont plus loin à côté de. Celle que j'ai achetée ce matin, voilà, vous voyez, celles-là me serviront toujours pour tenir les fonds, vraiment pour aller dans plus loin, et là pour les bords, voilà. Donc de toute façon, cela je vais quand même en racheter, puisque je n'en ai que 6 ou 8, donc je vais quand même en reprendre un lot, parce que je les aime beaucoup, beaucoup, et là je vais me reprendre 2-3 lots comme ça, cela, voilà, je les donnerai peut-être à mes petites filles, si elles les veulent. Je verrai bien. Je suis contente, voilà. Alors, donc je reprends où j'étais. J'ai coupé mes fonds de tiroir, donc tout simple, hein, y a pas de bordure là, je ne vais pas mettre de carton ni rien. Hein. Je vais juste coller ces bouts de tissu en dessous des tiroirs, voilà. Ici. Voilà, juste là, pour cacher le carton. Bon, on dirait que de toute façon, quand on l'ouvre, on ne le voit pas, hein, mais bon, j'aime bien que ce soit... Alors, je vous remontre avec le cœur, du coup, ce que ça fait. Alors là, je vais mettre sous presse, hein, vous voyez, ça, avec la colle, c'est un petit peu... mais c'est normal. Donc là, je vais mettre sous presse 48 heures, avec des gros livres. Pour que la couverture prenne bien la forme, mais bon, il n'y a aucun problème. Et voilà, voyez le petit cœur, il est là. Hop, bon. Et donc, voilà, et le petit ruban, et là, pour retenir le couvercle.
montrer l'intérieur. J'essaie de vous montrer sans faire tomber les tiroirs. J'ai dit sans faire tomber. Voilà. Voilà. Donc là, l'intérieur est tout fini. Donc là, maintenant, on va coller sur les arrières des tiroirs. On met le liège et on a fini. Il fait chaud. Il fait chaud. Allez, je vous bascule. Je vous bascule, voilà, avec mes grosses paluches. Alors c'est bien parce que du coup hier je pensais remonter, j'ai pas fermé mon pot de colle, mais bon, ça rien, c'est pas un problème. Je prends un sopalin. Oups, voilà. Donc là maintenant c'est tout simple, il n'y a plus de problème. On va touiller un petit peu parce que là du coup ça a séché un peu sur le dessus, mais voilà. Voilà. Après, finito. Alors j'ai tout collé. Finito la commode. Oui, mais alors du coup, hier après, on a eu des choses à faire. Ben, je suis descendue. Déjà, Chouchou s'ennuyait que j'étais pas là. Il me fait, oh, tu vas encore faire ta commode, blablabla. Pourtant, c'est pas un râleur. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il s'ennuyait tout seul en bas. Et puis après, j'ai vu qu'il commençait à sortir les rouleaux de peinture, les pinceaux, il triait, il regardait ce qu'il avait et tout. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Et donc, il a décidé, bon, pas là tout de suite, hein, parce que là, il fait vraiment trop chaud. Mais il a décidé, à partir de lundi, de peindre le salon. Parce que depuis le temps qu'on est là, on ne l'a pas encore fait. Et donc, il va mettre en peinture le salon. On a la peinture, hein, ça fait longtemps hein, qu'on l'a. Et donc, à partir de lundi, il va peindre le salon. Les murs sont encore tout blancs hein, depuis le temps qu'on était là. Parce qu'il s'ennuie. Donc, je dis, ouais, d'accord, ok. Et du coup, après, il a dit, bah, il me manque des pinceaux. Je dis, bon, bah, du coup, on est parti au magasin de bricolage qui est chez moi. Donc, on a été lui chercher ce qui lui manquait. Et après, bah, il était trop tard pour que je revienne sur la commode. Voilà. Bon, le fond, c'est pas tip top. Tip top, hein, mais ça cache le carton. En voilà un. Mon Dieu, que j'ai trop chaud. Mais au moins. Demain, je fais relâche hein, niveau cartonnage. vendredi, je reprends. Je dois faire un nuancier, donc ça, je vais le faire vendredi. Hein. En une journée, c'est bon, c'est fait. Et lundi, j'attaquerai les deux boîtes à couture. Là, bon, là, il va me falloir la semaine, même peut-être pas la semaine complète pour le faire. Et après, il me reste donc une boîte qu'on m'a demandé. Donc là, il faut que je demande à la personne. Revoir les détails avec elle. C'est une grande boîte libre. Donc, je vais revoir avec la personne. Et après, bon, je suis à jour au niveau commande. Youpi! J'aurai rattrapé tout mon retard.
c'est vraiment juste pour... Bon, j'aurais pu le mettre en bleu, mais j'en ai plus. Donc, je vous ai dit, j'allais pas recommander du tissu bleu pour mettre faire le dessous. Mais surtout que là, j'ai... je pensais pas. J'ai mal calculé, comme c'est une sur-mesure en plus. J'ai mal calculé, j'ai dépassé très très largement le budget que j'avais calculé pour faire cette commode. Donc, on va dire que c'est une commode sur laquelle je ne vais rien gagner. Mais bon, tant pis, hein, c'est, j'ai pas, je me suis trompée, hein, ça arrive. C'est vrai que c'est toujours difficile de calculer, de mettre un tarif sur des choses faites sur mesure. Donc, je sais que maintenant, bon ben, si un jour je dois en refaire une à l'identique, maintenant, ah bah alors, maintenant je sais ce qu'elle vaut exactement. Mais là, bon. Là, on va dire que j'ai travaillé pour 0 euros. La fin de la vidéo, je vous marquerai le poids de la commode. je la peserai une fois terminée et je vous marquerai le poids. Je ne sais pas combien elle fait exactement, mais bon. Mais elle est quand même lourde. Voilà. Donc mes fonds sont terminés. Ça, je vais les laisser sécher un petit peu. Je peux pas les remettre tout de suite dans les tiroirs, hein, parce que sinon ça va coller. Là, je vais pousser tout ça parce que maintenant je vais faire le dessous. Et le dessous, je fais du liège. Alors attendez, je vais mettre ça juste sur ma table à repasser pour que ça puisse sécher. Voilà. Que ça sèche sans problème. Bon, avec la chaleur qu'il fait ici, ça va aller vite. Voilà, la dernière. Et je prends mon rouleau de liège. Alors, est-ce que ce morceau-là irait ? Non. Je prends mon rouleau. Hop. Donc voilà mon liège. Alors, attendez, je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Vous voyez ? Donc, alors ce liège-là, c'est du liège que j'achète moi chez Leroy Merlin. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Hein. C'est du liège que l'on met, voyez l'épaisseur. C'est du liège que l'on met sur les murs. Voilà. Donc vous trouvez ça au rayon tapisserie, décoration. Pardon.
Et je ne sais plus combien j'avais payé. Mais c'est des gros rouleaux. Moi, il m'en reste encore pas mal. Hein. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et alors, hop, on va mesurer. Je ne me demandais pas le prix. Je ne m'en rappelle plus. Mais c'est pas très cher. Alors, on va le mettre au bord. Celui-là. Alors. Pourvu que le devant soit bien droit déjà. Alors, je vais prendre mon cutter. Je vais mettre ma colle plus loin pour pas faire de bêtises. Je vais prendre le petit cutter. Là, je vais couper ici à ras. Ça se coupe très très bien. Bon, fais attention de ne pas couper la commode en même temps. Hein. Voilà. Et je vais couper derrière. Je vais mettre son côté un peu. Voilà. Hop, ça, je range, j'en ai plus besoin. Et ici, alors j'essaie de vous montrer. Vous voyez, il reste un bout parce que mon liège n'était pas droit, donc c'est rien, je vais le recouper. Allez, ben alors, c'est le petit morceau qui va être plus dur à couper. Voilà. Hop. Donc maintenant, il va falloir le coller. Donc voilà le morceau que j'ai. Donc là, je vois qu'il y a un petit bout qui dépasse. Hop, voilà. Donc là, je vais le coller avec ma colle vinylique. Ah, il va falloir que je mette ma commode comme ceci. Et je vais mettre toute ma colle ici. Alors, ce qu'il va falloir, c'est que, bien sûr, là, je laisse ma commode à plat, debout. Après, le temps que tout le morceau de liège colle bien. Et je verrai si j'ai besoin de mettre 4 petits clous au coin ou pas. Voilà. Hop, je mets la colle sur moi, pantalon tout propre de ce matin, et vas-y. Oh là là, les cochonnes. Et ben, du coup, je suis en train de vous dire quelque chose, je ne sais plus. On va y aller plus doucement, hein.
Donc là, il faut bien en mettre partout, hein. Bien dans les coins. Donc ça, le liège, ça va permettre de ne pas abîmer le fond de la commode, hein, à la personne. Comme ça, si elle doit le bouger ou pas sur son bureau, ça n'abîmera pas. Oh là là, je m'en mets partout. Je suis de main gauche. Alors les fonds de tiroir, comme je viens de faire, il y a deux façons. Hein, on peut coller directement du tissu comme ça sur le carton. Ou alors, on peut faire avec de la cartonnette. Mais dans ce cas, si vous faites de la cartonnette, il faut savoir qu'il faut prendre en compte l'épaisseur de la cartonnette dans les mesures. Parce que sinon, le tiroir va frotter et... Bon, la cartonnette, ça fait quoi, moins d'un millimètre, mais ça fait quand même une épaisseur, hein, la cartonnette plus le tissu, donc ça vous fait pas loin des 2 mm d'épaisseur suivant le tissu. Là, on met bien sur les tous les côtés, les coins. Là, je soulevais un peu pour bien en mettre. Ici, j'en ai pas assez. Voilà. Donc là maintenant, et le temps que je retourne, je vais mettre deux pinces pour pas que ça se barre. Que là, vous voyez, comme ça peut pas tenir, hein, ça tient pas direct. Voilà. Alors maintenant, hop. Maintenant, je peux enlever les pinces et je regarde que ça dépasse pas. Et quand ce sera bien sec, si je vois quelque chose qui dépasse ou pas. Je rectifie avec mon cutter. Voilà. Hop, on va mettre bien à plat. Et voilà. Terminé. Donc je vais vous mettre des photos, hein, après, puisque là, bon, je ne peux pas trop la bouger pour l'instant, puisqu'elle n'est pas sèche. Mais je vais vous mettre des photos. Comme ça, vous allez bien, vous la verrez beaucoup mieux en photo, tout en détail. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir fini. Regardez mon sourire. Waouh, je suis contente. Bravo. Ça y est, je pète un câble. Je l'ai fini. Youpi.
contente. Mais contente. Elle m'en aura fait voir, hein. Voilà. Bon, après, je passerai un petit coup de rouleau à pluche. Parce que bon, du noir, ça ramasse hein, quand même un peu. Mais je suis contente. Regardez comme elle est belle. Hein. Bon, là, elle n'a pas ses tiroirs, mais... Ouais, youpi. Donc là, je vais la mettre sous presse pour que tout colle bien. Les tiroirs vont finir de sécher. Donc ce soir, je peux tout remettre. Je vous fais les photos. Je vous mets ça sur la vidéo pour que vous puissiez bien la voir. Et puis que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Contente. Fini. Youpi. Ah. Au revoir, commode. Adieu. Oh mon Dieu. Non, mais j'étais contente de la faire quand même. J'étais très contente de la faire. Bon, comme je vous ai déjà dit en plusieurs fois, j'aurais voulu la faire beaucoup plus vite. Mais bon, j'ai expliqué, hein, j'ai beaucoup de mal en ce moment à rester longtemps sur un même travail. Mais bon. Donc là, demain, relâche, hein, pas de cartonnage. Non, 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 non. Pas de cartonnage pour Didith demain. Pas question. Non. Même si on vient me dire de force, si non. Non, demain, pas de cartonnage. Je ferai mon diamond painting demain à l'aise, blaise. Et voilà, maintenant, on va mettre tout ça sous presse pour que tout colle bien. Et puis, je vous fais les photos. Allez, je vous laisse visionner les photos maintenant, juste après. Alors, partez pas tout de suite, hein. Il y a quelques petites photos à regarder. Et maintenant, je vous fais des gros bisous. Et puis, ceux qui voudraient une commode, n'oubliez pas... Ah bon, là, c'est le bordel, hein, devant. Il y a toujours cette commode-là qui est à vendre. Donc, si vous êtes intéressé, il y a le lien de ma boutique, hein, en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à venir. Il me reste ça, la commode. Il me reste une boîte livre. Il me reste une boîte à clé à vendre. Puis plein de choses, il y a encore des bijoux, il y a encore pas mal de choses sur ma boutique à vendre, donc n'hésitez pas à venir, le lien est en barre d'infos, c'est sur Facebook, donc il n'y a pas de souci. Et s'il y en a qui n'ont pas Facebook et puis qui veulent savoir, bon, je vais remettre mon blog aussi à jour, parce que là le blog n'est plus du tout à jour, il faut que, pareil, je vais prendre du temps pour le refaire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous me le faites en commentaire ou par email et je vous répondrai. Allez, d'énormes bisous. Je vais aller rincer mes pinceaux qui en ont bien besoin. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et plein de belles choses. Allez, bisous, bisous, plein de commentaires, plein de petits pouces bleus. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Et plus de commode avant un petit moment.